We already have what we need! Too long I endured the Maker's flawed design. I will forge a new reality. We're all I will never serve. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors il y aura beaucoup de choses à dire, cette fois je vais pas promettre de vidéos courtes parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. On va tâcher aussi de traduire puisque malheureusement la cinématique n'est pas encore disponible en français, donc on va revenir dessus en essayant de traduire en l'anglais tout simplement. Mais donc c'est tout simplement la cinématique de fin de la 9.1 avec le raid des chaînes de la domination. Le principe c'est que du coup, bah, on le rappelle, Sylvanas est le boss de fin de ce raid et... Là-dessus, je suis... c'est le moment, désolé, où il faut récupérer un petit peu, mais normalement, si vous suivez un petit peu la chaîne, on vous avait prévenu depuis des années maintenant que Sylvanas n'aurait pas une fin en mode à la BC ou au Telka, où le mec, il se fait crever et c'est terminé, c'est fini. Non, le personnage a des choses encore à faire et va normalement... J'en avais beaucoup parlé, il sert le joli, enfin Sylvanas sert le joli avant tout pour ses intérêts et elle a d'autres, une fois qu'elle aura globalement ce qu'elle peut avoir, elle va probablement aider à vaincre le geôlier, même si bien sûr c'est pas forcément un personnage, c'est même pas du tout un personnage foncièrement positif. Elle a toujours souhaité une fin ça a toujours été le personnage typiquement la fin justifie les moyens et la fin est plutôt positive mais les moyens utilisés eux vont aller là on se laisse toute liberté pour pouvoir arriver à cette fin. Donc ça c'est toujours le corps, l'identité du personnage depuis Warcraft 3. J'ai fait des vidéos de debunkage sur Sylvanas, je vous laisse aller les voir bien sûr. Donc en l'occurrence, on commence par le fait que l'essence de l'arbitre... Alors, j'avoue que j'avais pas trop théorisé là-dessus parce que bah, c'était que du visuel. Donc, à l'époque, bah, moi, je m'en foutais un peu de ce truc-là. Mais bon, effectivement, donc Sylvanas va avoir une espèce de rédemption, on va dire, même si, bon, j'y reviendrai après. Mais du coup, ça, j'en avais pas trop parlé dans mes vidéos sur Shadowlands parce que, bah, en fait, le truc, c'est que, malheureusement, c'est bien, hein, c'est bien que le visuel serve à quelque chose, c'est très bien. Malheureusement aussi, t'habitues un petit peu trop, je dirais, les fans, les spectateurs et autres, à ce que le visuel serve à quelque chose. Mais, donc, là, l'idée, c'est quoi? C'est que le cœur, en gros, l'essence de l'arbitre, est récupéré par le geôlier qui avait un trou dans son cœur, donc en gros il y a un lien entre l'arbitre et le geôlier, et au final bah, vous voyez que du coup on a justement cette récupération qui va transformer le geôlier, qui va reprendre sa forme finale en gros, sa forme ultime, qui est une espèce de gigantesque Darion Mograine, donc c'est un mégazord de Darion Mograine. Non je suis désolé mais moi j'aimais bien son apparence d'arbitre normal, enfin de geôlier pardon, il avait un design particulier, là c'est con mais on dirait bien évidemment c'est un écho, hein, une espèce de roi liche gigantesque, mais ce qui est logique dans la thématique, mais en fait bah, j'ai juste l'impression de voir un Darion Mograine géant, version entre en fait. Et... Bah... bof.
L'apparence, je la trouve pas incroyable pour le coup. J'aime beaucoup sa voix. J'espère qu'en français, il y aura un truc stylé aussi, parce qu'en anglais, sa voix avec l'effet sonore, je préfère largement ça, par exemple, au Roi Lich, où le Roi Lich, j'ai vraiment l'impression que c'est Batman qui a mal tourné. Là, vraiment, je sais pas. Enfin, c'est un peu comme ça que je me serais imaginé le Roi Lich, justement. Donc, en termes de voix, je trouve ça très bon. J'ai entendu des gens dire justement qu'ils avaient du mal à comprendre ce que disait le geôlier en anglais. C'est pas du tout mon cas. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Donc peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi là-dessus. Là-dessus, vraiment, chacun son avis, il n'y a aucun problème. Mais moi, j'avoue que les effets sonores du geôlier, j'aime bien. Par contre, son apparence, ouais, c'est un Darion géant. Et... Bah, Darion, pas beaucoup de charisme, hein, Pépère. Hein, donc, ouais, je suis pas très très fan. Mais bon, du coup, quelque chose d'important à noter, c'est que l'essence de l'arbitre est consumée. Et ça, c'est vachement important. Regardez, on voit l'arbitre disparaître. Hein. On voit l'arbitre disparaître, donc il n'y a plus d'arbitre. L'arbitre, c'est ce truc-là, et en gros, c'est fini, il n'y a plus d'arbitre. Alors, qu'on soit clair, et c'est pas du tout du spoil, j'ai aucune info sur après, mais pour le coup, il est fort, fort à parier qu'à la fin, on va buter le geôlier. Alors, peut-être qu'il ne sera pas mort définitivement, mais on va l'éclater en tout cas. Et on va rétablir l'arbitre. Parce que l'arbitre est important pour justement l'ordonnancement, on va dire, de ce qui se passe dans les terres d'ombre et le cycle, la pesée des âmes, le cycle des âmes, etc. Donc il y a de grandes chances qu'on rétablisse l'arbitre à la fin de l'extension. Mais là, pour le moment, plus d'arbitre. Et ça c'est assez dramatique. Mais voilà, comme je disais, j'avais pas trop théorisé là-dessus parce que c'est un visuel, et parfois les visuels ont du sens, parfois c'est juste un visuel classe. Le fait que des êtres de la mort aient un trou au milieu, enfin... Je veux dire, si vous connaissez un peu Bleach et d'autres univers, c'est pas quelque chose... Donc c'est vrai que j'ai pas trop théorisé là-dessus. Très bien, franchement, ceux qui en avaient beaucoup parlé, bah tant mieux. Mais bon, par exemple, pourquoi l'arbitre a des filaments à l'arrière? C'est du design. Donc le problème, c'est que j'ai tendance à penser que Blizzard parfois habitue trop aussi à ce que le visuel ait un vrai rôle. Bien sûr, le visuel doit avoir une histoire à raconter, mais le truc, c'est que des fois, en fait, ça aboutit à du Anduin, fils d'Arthas. Pourquoi? Bah, ils sont blonds, ils sont tous les deux des princes. Ouais, mais visuellement, ils se ressemblent, il y a des échos faits l'un à l'autre, donc il y a forcément un lien. Bah non, des fois, il n'y a pas de lien, en fait. Donc très bien, hein, il y a un lien. Après, moi, je mets en critique le fait que c'est bien aussi que des fois, ce soit juste un visuel stylé, et c'est tout, quoi. Enfin bon, du coup... On va avancer sur l'analyse. L'essence qu'on voit avec le symbole de l'éternité, bien entendu, hein, qui est aussi arbitré, il est où à Auribos? On le voit énormément à Auribos, le symbole de l'éternité. Alors, on va traduire, puisque là, il y a les premières phrases. Il dit enfin, voilà, après tant d'attentes, la clé finale, puisque pendant toute la 9 points, donc, il va récupérer toutes les clés restantes, notamment celle de la Reine de l'Hiver. Et une fois encore, enfin... ce qui m'appartenait, en gros, ce Final Key, donc ce qui m'appartenait me revient, est enfin à moi. Et il devient donc le Megazord d'Arion, et au final, en étant comme ça, il ouvre direct. Ce qui est assez bien fait, c'est qu'on voit direct que c'est le dieu de la mort, quoi. C'est vraiment le mec qui rigole pas du tout, et il va ouvrir un portail. Le portail est assez psychédélique, assez sympa. Alors, vers où? On en reparlera vers la fin. Est-ce que c'est une destination précise? Oui. Est-ce que c'est celle qu'on attend? Il y a de grandes choses. Enfin, on va voir. On verra, on verra. En tout cas, du coup, le geôlier, maintenant qu'il a ce pouvoir incommensurable et qu'il est enfin libéré, il s'est servi de Sylvanas, il s'est servi de plein de gens qui lui ont servi d'agent pour qu'il puisse se libérer. Il ne pouvait pas se libérer de lui-même. Donc, maintenant qu'il est libre, qu'est-ce qu'il fait? Et là, le premier truc qu'il fait, sachant qu'ils avaient déjà pactisé, ils avaient déjà des buts en commun avec Sylvanas et autres, et qu'est-ce qu'il fait? Premier truc qu'il dit, c'est « agenouillez-vous donc à Thrall, Bolvar, Jaina ». Alors, je vais le dire maintenant, parce que j'avais prévu en fin de vidéo, mais en vrai, je vais en parler avec Bolvar maintenant. Vous allez probablement... J'en ai pas parlé dans la cinématique entre Tyrande et Sylvanas, mais honnêtement, Bolvar, la plupart des choses que j'ai call... que j'avais annoncé probablement pour l'extension sont arrivées. Il n'y a que deux choses qui ne sont pas arrivées pour le moment. C'est Arthas, et ça j'en reparlerai en fin de vidéo, et Bolvar, du coup, qui aura du développement, notamment avec sa fille, etc. Probablement qui va se sacrifier pour sauver Anduin et qui va avoir 20 minutes de CGI. Pour le moment, c'est le seul truc sur lequel j'ai tort, on va dire. Et je suis triste pour lui, en fait. Enfin, je veux dire, d'un autre côté, je trouve ça très drôle. La situation est extrêmement ironique. Mon call principal qui fonctionne pas, c'est mon call positif à l'égard de Bolvar. Donc ça me fait rire. Mais je trouve ça vraiment, vraiment triste. Parce que Bolvar, encore une fois, avec la 9 points, il sert à rien.
C'est un personnage fonction et il échoue tout le temps. En plus de ça, il échoue continuellement. Donc vraiment, sa vie est un échec, hein. C'est une catastrophe. Et je suis vraiment triste que Bolvar soit pas utilisé et que même dans cette cinématique, par exemple, il n'y ait pas un écho spécifique. Genre, le premier des trois à vouloir essayer de se... Enfin, je veux dire, c'est quand même un ancien roi Lich. Peut-être jouer là-dessus avec un traitement différent par rapport à Thrall et Jaina, où Thrall et Jaina, bah, ils peuvent rien faire. Lui, il essaye en mode, bah non... Mec, t'as essayé, même juste une phrase en fait, mais t'as essayé de me, me tenir, maintenant tu pourras plus. Un truc, enfin une interaction spécifique à l'égard de Bolvar, et c'est pas le cas, donc c'est vraiment triste quoi, c'est. J'ai vraiment pitié pour lui quoi, c'est vraiment triste, c'était son moment heure de gloire, et bah non, il reste personnage fonction. Du coup, Sylvanas, en voyant justement le Nil, etc., a dit ça y est, la porte est ouverte, Zoval, elle l'appelle par son prénom, hein, volonté de l'humaniser, we already have what we need, donc nous avons ce que nous voulions, entre guillemets, pas besoin de faire ce que tu es en train de faire. Et là, le geôlier qui fait sa grande envolée lyrique. Pendant trop longtemps, j'ai supporté trop longtemps le design défectueux des fondateurs, hein, les makers et les fondateurs. Je vais forger une nouvelle réalité où tous doivent servir. Et ça, bah, c'est pas les bons choix de mots pour pouvoir garder Sylvanas en tant que lieutenant. Puisque bah, dès qu'il dit je vais forger une nouvelle réalité où tous devront servir, et là, le serve, il est assez bien fait. Donc là on entend serve, c'est le geôlier, en écho le geôlier, là le serve évidemment c'est Batman, c'est le roi Lich, et à la fin on entend Arthas en VO, qui est pas forcément dingue je trouve, donc ça veut dire qu'on va retrouver Pierre Tessier en français, du coup qui dit justement serve, donc là c'est Arthas Chevalier de la Mort qui a transformé Sylvanas en Banshee. Et c'est pas mal de montrer aussi, ça fait l'organigramme en gros de la mort, on va dire façon entrifiée, avec le geôlier en haut, le roi Lich et Arthas, pour rappeler que Arthas... En dessous le roi Lich à une époque. Et donc voilà, ils me serviront tous. Et là, bah, y a un problème. C'est que Sylvanas, elle sert personne. Ça a toujours été son délire. C'est moi, j'ai mes propres fins. Et alors bien sûr, vous allez me dire, c'est pas tout à fait vrai, puisque dans les cinématiques que tu as déjà analysées, Malga, elle sert le geôlier. Enfin, elle travaille avec le geôlier. Elle a clairement son but. On va le voir après. On comprend dans cette cinématique quel était le but, quel était un des buts de Sylvanas, qui a toujours été ça pour le coup. Et d'un autre côté, elle voulait vraiment que tout soit remis à table. Et ça fait très Naruto, je dirais. Enfin, genre, elle voulait que tout soit remis à plat au niveau du système de la mort, etc. Et le geôlier a dit, bah oui, c'est ce que je vais faire. Sauf qu'il lui avait pas forcément parlé de tout. En mode, bah en fait, ils vont tous me servir. Ça fait très, vous savez, le Tsukuyomi infini de Naruto. En mode, bah il y aura plus de guerre, il y aura plus de problème s'ils me servent tous, en fait. Parce que bah, ils seront tous sous moi, donc NP, il y aura plus de problème. Donc il y aura plus de souffrance, il y aura plus de machin, etc. Et ça, Sylvain, en mode, ah ouais, tu t'es un peu foutu de ma gueule quand même. Mais d'un autre côté, on va y revenir juste après pour ça. Donc Sylvanas, l'écho avec le roi Lich, etc. Je rappelle quand même que bah, le truc, c'est qu'elle a toujours voulu se venger du roi Lich. Alors oui, elle sert au final le mec qui a créé le roi Lich, donc qui est un peu responsable de tous ses tourments. Mais Sylvanas, à la base, si elle le sert, c'est pour deux raisons. On va y revenir après. La raison principale, on va y revenir après. Et la deuxième raison, c'est aussi pour pouvoir changer un petit peu la manière dont le monde fonctionne. Mais pas comme ça en fait, Zinedine, pas comme ça. Et là, c'est intéressant aussi. I will never serve. Voilà, c'est Sylvanas qui rappelle un petit peu le contrat, hein, qui les lit. Je ne sers pas. Et ça, pour le coup, ça a toujours été Sylvanas. Hein, Et là, moi, j'adore. Déjà, l'image est assez belle. Et même si le design est, bah, on dirait un mec de Lente, quoi, normal, le geôlier. J'aime beaucoup la voix et j'aime beaucoup le pity. Et surtout, ce qu'il dit juste après. Et le portail à l'arrière est stylé. Bon, là, petit hommage, évidemment. Hein. Est-ce que tu vois mon petit hommage? Mais on en reparlera aussi de ça. Still chained by mortality. Donc ça, c'est toujours pitoyable, toujours enchaîné par la mortalité. Et ça, c'est très très drôle. Parce que si vous vous rappelez des cinématiques de BFA et de Shadowlands, je m'en rappelle très très bien, c'est ce genre de phrase que Sylvanas, et d'ailleurs je crois qu'elle la prononce contre Tyrande, il me semble, dans la dernière cinématique, c'est le genre de phrase typique que Sylvanas disait dans ses combats contre d'autres gars. Donc là, moi, le geôlier, instantanément déjà, il prend plus 10 de respect de ma part, parce que il se fout de sa gueule, en fait. Enfin,
La situation est tellement ironique, il prend ce qu'il dit, le retourne contre lui, donc c'est vraiment excellent. Moi je trouve ça trop bien. Le jeu est maintenant sous sa forme finale, donc on a, c'est un peu celle parfait, on a besoin d'un Sangohan, mais du coup, eh bien, il retourne un petit peu les arguments de Sylvanas contre elle-même. Mais, et c'est là où le geôlier, j'ai toujours dit que c'était pour le moment un méchant lambda, le très très vilain qui veut tuer les très 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 gentils, etc. Et pour le moment, bah, le geôlier, j'avais aucune attache envers lui. Il avait un design sympa, mais c'était vraiment le méchant basique. Et là, dans cette cinématique, enfin, j'ai du respect pour ce personnage parce que enfin on le développe, il était temps. Et enfin on le développe, je m'attendais à ce qu'on le développe un peu de façon avec cette cinématique, c'était un peu logique. Enfin, cette cinématique, la 9.1. Mais là, pour le coup, non, il a mon respect parce que là, déjà, le plan est très stylé, il est pas droit, il est un peu sur le côté pour montrer qu'il y a un truc qui va pas forcément bien. Mais là, donc, you did help restore something stolen from me. Donc, tu m'as aidé à restaurer quelque chose qui m'a été volé. Permets-moi donc. Et là, il dit, donc, permets-moi donc de te rendre l'appareil. Et ça, qu'est-ce que c'est? En cristal bleu, on en a déjà vu dans la cinématique et on se posait un peu la question. La 9.1 va nous donner plus de détails à ce sujet, mais c'est l'âme de Sylvanas, il lui redonne son âme qu'il avait, Frostmourne on avait arraché une partie de son âme, comme Uther, vous savez dans la cinématique d'Uther de Bastion, on voyait l'âme se fracturer en deux. Et bah, c'est exactement, on se posait la question, mais du coup est-ce que Frostmourne fait ça avec toutes les âmes? Et bien la réponse on l'avait eu en interview, oui, et au final on le voit ici, Sylvanas, et bien l'âme qui lui manquait lui est restaurée, et tu m'as aidé à me libérer, j'honore mon pacte, je te redonne ta partie manquante, donc ton âme, ce que tu réclamais, donc ton âme, le reste de ton âme. Puisque, rappel, hein, Sylvanas, en tant que mort-vivant, elle a un vide énorme en elle, et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vraiment, et c'est pas pour excuser les erreurs et les choix de Sylvanas qu'elle a pu faire par le passé. Sylvanas a toujours été une connasse. Maintenant, le truc, c'est qu'on peut comprendre, en tant que mort-vivant, vous avez une souffrance énorme parce que déjà bah, vous perdez vos sens, hein, vous perdez votre vue devient grise, vous ne ressentez plus rien, etc. Et il y a toujours cette sensation de vide, il manque quelque chose, vous n'êtes plus comme avant, il vous manque quelque chose. Déjà bah, la passion, hein, généralement, donc souvent ça se transforme en colère pure, en énervement pur, et généralement la mort ressort ce qui est de pire dans un personnage. Et il y a cette sensation de manque, cette sensation de vide. Et pour le coup, voilà, c'est aussi une des formes, c'est ton âme, il te manque ton âme en gros, quoi. Et donc, lui redonne son âme qu'il avait séquestrée depuis que Arthas l'avait transpercée. Donc ça, c'est plutôt pas mal, sachant que dans la 9.1, Uther va faire va refaire de même pour récupérer. C'est là où on va avoir aussi ces choses-là, donc ça se passera probablement, évidemment le patch se passera après, mais Uther va récupérer aussi une partie de son âme, et on voit ces petits cristaux, ces fameux cristaux dus à Frostmourne, et du coup il récupère son âme, et ça répond à la cinématique de Bastion. Et ça, c'est con, mais en fait, moi, le geôlier, bien sûr, on pourrait se dire, attendez, le geôlier, il était prêt à servir tout le monde et à défoncer tout le monde, et là, au moment où il peut gagner, il perd, enfin, il s'en va. Et le truc en fait qu'il faut voir, moi je trouve cette situation géniale, et il prend encore plus 10 points de charisme ici, parce que déjà c'est le gros gros méchant, très 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 méchant, mais au final qui a une parole, qui respecte sa parole. Il lui a dit, le contrat c'était, tu me dois, je veux récupérer mon âme, je vais t'aider à te libérer, tu m'aideras, tu me redonneras mon âme. Il a donné son âme. Mais ce qui est en plus très drôle, c'est que du coup Sylvanas se retourne contre lui, donc il a un nouvel ennemi, Sylvanas. D'un autre côté, il y a d'autres ennemis qui sont enchaînés, qui sont juste derrière. Et ce qui est excellent ici, c'est que maintenant que Sylvanas a récupéré son âme, là on voit en plus c'est plutôt bien fait, on voit la forme, etc. Ce qui est plutôt bien fait, c'est que du coup, il va y avoir un nouveau combat entre Sylvanas. Et voilà, I leave you to their mercy. Donc voilà, tu as eu pitié pour... Enfin, pitié pour... En gros, tu vas... maintenant, je te laisse entre leurs mains, quoi. Sachant que eux, c'est les ennemis du geôlier. Et du coup Sylvanas est devenu une ennemie du geôlier. Donc en gros lui il a ses propres intérêts. C'est à la base pour ça que Sylvanas disait maintenant c'est bon, la porte est ouverte, on y va, on s'en va, on n'a plus rien à faire. Le truc c'est que du coup, ok, tu as voulu, ils sont libres, d'accord. Maintenant qu'ils sont libres, fais face à leur jugement. Parce que clairement Sylvanas elle a fait énormément de trucs contre ces personnages là, notamment Bolvar, notamment Anduin, etc. Enfin Jaina va jamais accepter. Tyrande évidemment, il y a plein de personnages qui... Je veux dire, il y a du monde qui a pris un ticket pour lui casser la gueule à Sylvanas. Donc faire en sorte que le geôlier ne détruise pas Sylvanas, ni les mecs, mais les laisse s'entretuer pour lui laisser le temps de faire ce qu'il a à faire.
On pourrait se dire, bah, il avait l'occasion de les tuer et il s'en va. Mais d'un autre côté, c'est très malin de sa part. C'est très malin et en plus, il respecte sa parole. Donc c'est quand même un méchant qui a un peu plus de personnalité que juste je suis très vilain et je vais te la gentille. Du coup, c'est pas mal à ce niveau-là. J'aime beaucoup le principe. Alors évidemment, on sait comment ça va finir. Il va se faire casser la gueule et l'arbitre sera restauré, tout ça, tout ça. Alors ça se trouve, ce sera différent, hein. L'arbitre sera restauré, mais d'une autre manière. Peut-être que le geôlier, on va purger une partie de son truc. Enfin, mais pour le coup. C'est plutôt malin en fait, c'est plutôt malin je trouve, et ça donne vraiment cette impression que le geôlier, ça lui donne enfin de la personnalité en fait. Mais ce qui est drôle parce que on lui a aussi enlevé son physique atypique en transformant en espèce de Darion de l'antre. Du coup, il avait de la personnalité avant dans le physique, maintenant il a de la personnalité, bah, il a véritablement de la personnalité. Et avant, ce qu'il distinguait c'était son physique, mais pas de personnalité. Maintenant, il a de la personnalité mais pas de physique. Il peut pas tout avoir, hein, le pauvre. Du coup, des points que je voulais évoquer. Donc ça, j'avais parlé, hein, les voix du geôlier, du roi Lich, etc. pour rappeler pour son asservissement. Donc elle a fait ça pour récupérer son âme. Et je rappelle quand même que la situation de mort-vivant, c'est pas rigolo. Même si bien sûr, elle a été maître de ses propres choix. Sylvanas, ça a toujours été la fin justifie les moyens. Elle voulait une fin plutôt positive, en mode la mort est un tourment, je vais nous en libérer, etc. Ça a toujours, mais après, ça a toujours été pour sa gueule, mais cette fin allait bénéficier à d'autres aussi. Mais ça a toujours été pour sa gueule, et en l'occurrence là, elle a récupéré son âme. Elle n'est pas non plus d'accord sur la fin en fait. Ce qui va provoquer une rupture, c'est que ça a toujours été une alliance de circonstances, même si elle partageait certains points de vue du geôlier. Le truc, c'est que le geôlier. Donc elle était prête à utiliser tous les moyens. Tous les moyens sont bons pour arriver à une fin positive. Le truc, enfin une fin positive pour elle et qui peut être positive pour d'autres. En l'occurrence, ici, bah la fin, elle n'est pas positive. Donc forcément, il y a cette rupture. C'est pas juste de l'affection à l'égard de tout le monde. Alors, j'en profite pour faire une parenthèse. L'affection avec Anduin, j'en ai parlé hors live. Je sais plus si j'en ai. Parce qu'il y a le livre Sylvanas qui a d'ailleurs été repoussé, où on en apprendra beaucoup plus sur le passé de Sylvanas et sur les images. On a surtout son petit frère, Lyras. Donc il y a de grandes chances que je sais plus si j'en avais parlé en vidéo. Je sais qu'en stream, oui. Je sais plus si en vidéo j'en avais parlé. Mais du coup, il y a de grandes chances qu'on vous. Que. La relation Anduin, en fait, elle voit, elle transpose Lyras en Anduin. Et du coup, qu'elle y voit son petit frère idéaliste, etc., qui s'est fait buter par la horde, les orques et tout. Donc il y a de grandes chances qu'on arrive vers un truc comme ça dans le bouquin. Et étonnamment, le bouquin a été repoussé suite au délai de la 9.1 et autres. Donc il y a de grandes chances que le bouquin, normalement, je crois que d'ailleurs, il a été repoussé à la date de sortie d'après la BlizzCon Online. Donc il y a de grandes chances qu'on voit un petit peu aussi qu'ils expliquent ça aussi avec le lien où elle voit Lyras en Anduin, parce que Lyras ressemble beaucoup à Anduin sur la couverture, donc ça serait pas étonnant. Mais du coup, au final, la fin ne justifie pas des moyens horribles pour Sylvanas à ce niveau-là, et c'est ça qui l'a fait se rebeller. Et ça, c'est assez ok du point de vue. Parce que beaucoup pensent que c'est juste pour défendre les types, pour défendre les autres. C'est. Peut-être qu'il y a aussi un peu de ça, mais c'est surtout que c'était pas vraiment dans le contrat, quoi. C'était pas ça la fin qui était prévue. Du coup, oui, ça j'en ai parlé. Pity, donc ça, c'est moi je l'ai dit aussi. Le geôlier, bah, c'est cool. En tout cas, moi j'aime beaucoup le traitement que le geôlier a fait, et ça c'est vraiment intéressant. Et au final, voilà, j'en parlais, j'avais dit que de toute façon j'en parlerai après. Il peut, voilà, comme viens avec moi mon pépère, soit le premier à être témoin de la fin de notre réalité. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, bah, on rappelle quand même que c'est Anduin parce que sinon les gens auraient tendance à l'oublier. du coup, on franchit un portail. Alors ce portail, il mène où? On le voit une couleur orange, etc. Il y a de très grandes chances que ça amène au sépulcre des fondateurs, c'est-à-dire l'endroit un petit peu où les fondateurs sont morts ou en tout cas se reposent. Et les fondateurs, ça serait potentiellement une septième force cosmique qui manquerait dans Chronicles, puisque en gros les six forces cosmiques que vous connaissez, donc dans l'ordre, la vie, la lumière, le désordre, donc le chaos, la mort, le vide. Le vide des dieux très anciens, tout ça, tout ça. Et enfin, l'ordre, donc les titans. En fait, ces six forces cosmiques-là auraient été mises en place par une septième force. Et il y a des tablettes sur la 9.1 qui me font amener cette réflexion. Qu'en fait, les fondateurs seraient une septième force cosmique qui aurait été en fait
les organisateurs de toutes choses et qui auraient mis en place ces trucs-là. Ce serait la septième force. Et la septième force cosmique qui sera à l'origine des six. Et du coup, bah, le geôlier veut se rebeller contre ses créateurs, en gros. C'est un peu ça dans l'idée. Il veut se rebeller contre ses créateurs et donc il irait à l'endroit des créateurs. Ça me rappelle beaucoup du StarCraft avec. J'ai oublié le nom, c'est. Dans Legacy of the Void, où ils vont là où sont les Xel'Naga, j'ai oublié, c'est j'ai oublié, mais là, l'espèce de grosse structure là, qui est au niveau de la mélange des réalités, etc. Ça fait, enfin, on va à l'endroit au siège des créateurs, ça fait très Xel'Naga à ce niveau-là, je trouve, de StarCraft. Donc, sachant que, à mon sens, Sylvanas est très proche de Kerrigan dans son traitement à Shadowlands, même s'il y a des disparités, des différences, c'est marrant, du coup, je trouve. Mais donc, il y a de grandes chances que ce soit là. Alors, est-ce que ça indique que, du coup, la 9.2 se passera au sépulcre des fondateurs ou un autre endroit? Oui, il y a de grandes chances qu'on ait le sépulcre des fondateurs dans la 9.2. Maintenant, il y aura peut-être d'autres endroits, puisque dans la 9.1, il a des alliés, le petit père, notamment. Et ça, suit. Ça, on vous en a parlé depuis très longtemps avec Evanessor. J'ai fait une vidéo sur les Natrezim. Les Natrezim arrivent! Ah oui, on spoil méchamment. Hein. Ça sera dans le titre tout. Hein. On spoil bien comme il faut. Mais de toute façon, la 9.1, vous l'avez déjà en fait. La quête, je l'ai déjà faite. Les Natrezim sont de retour. Les Seigneurs de l'Épouvante sont en effet des sbires, des alliés du geôlier. Mais également de Denatrius, et sont des créations de Denatrius qui servent le geôlier. Donc au final, eh bien, les Natrezim vont avoir un rôle à jouer en tant qu'alliés du geôlier et de Denatrius. Donc est-ce que Denatrius va faire son retour dans les prochains raids? C'est possible. Est-ce que également on va taper du Mal'Ganis, etc. Peut-être. Sachant quand même que faut pas oublier qu'il y a aussi un monde qui pourrait être extrêmement utilisé, qui commence déjà à être un peu tease. Après, ça ne veut pas dire qu'il y sera potentiellement aussi Natressa, le monde d'origine des Seigneurs de l'Épouvante, qui permettrait eh bien, de donner plus d'informations sur comment les Seigneurs de l'Épouvante ont été créés, comment ont-ils rejoint la Légion Ardente, le rôle de la Légion Ardente dans la création du Roi Lich, etc., etc. Donc là-dessus, on devrait. Enfin, c'est possible que en tout cas, les Seigneurs de l'Épouvante reviennent officiellement, et ça, c'est méga cool. Donc, on a ce passage-là, et au final. Il laisse les ennemis s'entre-déchirer pendant qu'il part justement au sépulcre des fondateurs. Alors pour le coup, Sylvanas, donc comme je l'avais évoqué, c'était sûr qu'elle allait probablement pas crever et avoir encore un rôle à jouer dans l'extension. Oui, comme Ashara, oui, comme Jaina à BFA, comme Ashara à BFA, on bat le méchant. Mais il a encore un rôle à jouer. La plupart des joueurs voulaient lui casser la gueule. Ça y est, ils peuvent lui casser la gueule en raid. Mais elle aura encore un rôle à jouer. Et on le voit notamment à la fin avec on peut pas lui laisser on peut pas lui laisser atteindre le. Et on n'a évidemment pas la fin. Et on devra en savoir plus bah, dans les prochaines missions. Ou peut-être la 9.2. Mais peut-être même avant la 9.2, on aura peut-être plus d'éléments vers la fin de la campagne militaire. Enfin, la campagne militaire, j'appelle ça campagne militaire, mais la campagne de domination. À voir si c'est en 9.2 ou pas, mais en gros, elle a pas mal de choses. Elle va probablement avoir des informations et peut aider à vaincre le geôlier, sachant que, comme on le voit, le point de vue où on voit les bots, il y a pas mal de gens qui ont des comptes à régler avec Sylvanas, donc elle risque d'en prendre plein la gueule, même si elle a encore des informations et elle peut aider la plupart des personnes à vaincre le geôlier. Donc là-dessus, ça va être important. Et elle a récupéré son âme. Donc on aura peut-être une Sylvanas. Alors, certains pensent du coup, est-ce que Sylvanas est vivante? À mon sens, Sylvanas reste une mort-vivante. Hein. C'est pas parce qu'un mort-vivant a récupéré son âme que ce n'est plus un mort-vivant. C'est pas ça le truc. Un mort-vivant, c'est il est mort et on l'a ramené. Alors, ça fait plus comme Kalia-Ménéthil, qui est un mort-vivant, mais qui a son âme, en fait. Donc là-dessus, d'ailleurs, les retrouvailles Kalia-Ménéthil Sylvanas risquent d'être très intéressantes parce que dans tous ceux qui lui veulent lui casser la gueule, on peut se dire que Kalia a une raison de lui casser la gueule. Et il y a de grandes chances que Kalia-Ménéthil soit un défenseur de Sylvanas en mode je comprends ce qu'elle a traversé, évidemment elle mérite châtiment, mais elle peut nous servir et nous devons avoir conscience qu'on a besoin d'elle, etc. Donc en gros, elle pourrait être un des moyens d'épargner un peu Sylvanas. Et d'un côté, pour le futur, ça permettrait aux fans de Sylvanas qui détestent Kalia-Ménéthil à l'heure actuelle parce que Blizzard est en train de mettre Kalia à la place de Sylvanas pour les réprouver, ça serait l'occasion en fait de rapprocher Sylvanas et Kalia et que la transmission de flambeaux se fasse plus naturellement et comme ça les fans de Sylvanas commencent à apprécier Kalia-Ménéthil. Il y a moyen vraiment de faire d'une pierre 17 coups un petit peu avec un truc comme ça, mais ça peut être très très sympa à ce niveau-là.
Et voilà, on aura besoin d'elle, ça c'est clairement, c'est quasiment certain. Est-ce qu'il y aura une 9.3? Moi je pense que oui. Le délai du... Parce que beaucoup de gens sont en mode, ouais, on a attendu très très longtemps avant la 9.2, donc il y a de grandes chances qu'on n'ait pas de 9.3. C'est un truc que je vois énormément sur les streams, les forums et autres. Beaucoup de gens sont en train de flipper en mode, il n'y aura probablement pas de 9.3 avec ce qui est en train de se passer, le coronavirus, les retards, les délais, le retard, etc. Je pense personnellement que Shadowlands sera l'extension la plus longue, puisque BFA avait été très 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 mal accueilli, notamment la 9.3, la 8.3 pardon. Pourquoi? Parce que la 8.3, on avait l'annonce comme quoi ça y est, on va aller à Nyalota, les visions de Nuzhat, etc. Sauf que bah, à la BlizzCon, donc même pas 2 semaines après, t'as alors Shadowlands, c'est là, la prochaine extension c'est Shadowlands. C'est bon, vous êtes hypé? Ouais, mais en fait bah, la 8.3 est toujours pas là, donc on sait que la 8.3, bah ça aura aucune incidence. Et plein de gens sont en mode, mais attendez, mais... Et c'est normal, comment veux-tu être hypé sur la 8.3 quand on te hype l'extension d'après? C'est dur. Donc je pense pas qu'ils referont la même erreur. Et bon, après beaucoup ont découvert ce qu'était World of Warcraft. Quoi? Le boss de fin n'a aucune... Quoi? Et Jolien, on va lui casser la gueule, il y aura une extension après, hein, vous en faites pas. Hein, alors on commence à faire un peu mieux où le boss de fin peut avoir aussi un rôle à jouer pour plus tard et autres, mais... oui, Jolien, on va lui casser la gueule, il y aura une extension d'après. Mais je pense que, enfin, encore une fois, le livre a eu un délai. Et à mon avis, ce délai n'est pas là par hasard, c'est aussi pour éviter qu'il y ait des nouvelles choses qu'on va apprendre. Et donc je pense qu'on... Et en plus, Blizzard, cet argument-là, et l'autre argument, c'est Blizzard officiellement. Alors, prenons un peu de recul aussi, mais Blizzard officiellement, Ion Azikostas, alors il est souvent revenu sur sa parole, mais ça dépend des sujets, notamment sur le lore où il maîtrise pas le lore, donc forcément, parfois il dit de la merde. Mais pour le coup, là-dessus, c'est quand même le mec qui s'occupe de World of Warcraft. Quand il te dit oui, il y aura une 9.3, ne vous en faites pas, il y a une 9.3. Même si tu vas pas le croire à 100%, t'es en mode, bon, ok, ça semble aller dans son sens. Comme je l'ai dit, il y a le décalage aussi du livre qui passe étonnamment juste après la BlizzCon, donc peut-être une révélation sur la 9.3 justement, et que la 9.2 sortirait potentiellement fin de l'année, un truc comme ça, et qu'elle a... Moi je pense que la 9.2 arrivera beaucoup plus vite, parce que aussi, on a déjà des informations, et je crois que ça ne s'est jamais fait. J'en avais parlé à Kouza et d'autres créateurs de contenu qui me confortaient là-dedans, que par le passé, dans World of Warcraft, on n'a jamais eu des nouvelles features de gameplay dites, par exemple, à la 8 points de BFA. On pouvait t'en parler sur un truc de 8.1.5, mais jamais à la 8.1 on te dit qu'il va y avoir des features qui vont arriver avec la 8.2. Genre, pour moi, ça n'est jamais arrivé dans World of Warcraft avant. Peut-être qu'il y a un contre-exemple ou autre, mais c'est très... Et si jamais il y a un contre-exemple, c'est rarissime. Et pour moi, ça n'est même jamais arrivé. Donc, avec des semi-patchs, des points, quelque chose, des points 5, oui, peut-être, mais des patchs majeurs. Quand ils te vendent le patch majeur, ils te vendent les features du patch majeur. Et tout n'est pas encore finalisé pour le patch d'après. Là, ils commencent déjà à te parler des features, notamment les sets de classe et tout, qui arriveront avec la 9.2. Donc, à mon sens, je pense que la 9.2, elle va pas mettre autant de temps que la 9.1 à sortir pour permettre justement à la 9.3 potentiellement d'être hypée à la BlizzCon. Et ensuite, eh bien, on nous parlera de la prochaine extension. Moi, personnellement, je vois ça comme ça. Peut-être que je me trompe. Mais pour le moment, je trouve qu'il y a plus de choses qui indiquent une 9.3 que... Ouais, ça... Que... Ouais, mais la situation, c'est pas folle, donc il n'y aura pas de 9.3. Ouais, mais on se base sur quoi là? Sur que dalle. Donc, pour le moment, je trouve qu'il y a plus d'arguments en faveur d'une 9.3 que contre une 9.3. Mais c'est possible qu'il n'y ait pas de 9.3, hein, bien entendu. Et qu'il y ait tellement de retard qu'à un moment donné, ils disent non. Mais pour le moment, à mon sens, il y a plus de chances qu'on ait une 9.3 qu'autre chose. Donc, Bolvar, j'en ai déjà parlé. J'avais prévu de le dire en fin de vidéo, mais j'en ai déjà parlé. Maintenant, autre point. Il y a ce fameux cristal, puisqu'on le voyait. Moi, j'avais peur qu'en fait. Pendant un moment, j'ai cru en fait que là, il prenait l'âme. Je me suis dit, ah oui, il est vraiment très très méchant. Il prend l'âme de Sylvanas et il va la détruire. Et je me suis dit, ah, il est vraiment pas cool, hein. Il avait promis de lui redonner son âme, il lui redonne pas. Et en fait, on le voit, il lui redonne direct. Donc là-dessus, c'est assez positif. Et on voit encore une fois ce fameux cristal qui était déjà apparu pour la création de Kingsmourne, ou Deuil au Roi, l'épée d'Anduin, qui a un cristal similaire au milieu. Et dans la 9.1, on va dans une espèce de galerie des arts, des galeries des musées du geôlier, où on a Uther qui récupère ce fragment similaire avec son âme, il voit celui de Saphiron, il voit celui d'Antonidas, des mecs qui sont fait tuer par Arthas, et il n'y a pas l'âme d'Arthas. Du coup, personnellement, ça fait très longtemps qu'on vous a dit, on a même fait une vidéo pendant BFA en vous disant qu'il y aurait probablement une vidéo sur la mort avec un retour d'Arthas. Arthas, pour le moment, n'est toujours pas là. Et en fait, est-ce que Arthas ne serait pas là depuis le début? Et qu'en fait, Arthas, il est là, là. Pile là, là. Vous voyez? Sur mon curseur, là. Pile là. En fait, l'âme d'Arthas serait dans l'épée. Dans la nouvelle épée. Et que c'est l'âme d'Arthas que le geôlier a récupérée, en fait.
Et est-ce que ce serait pas celle qui alimente et qui permet notamment de dominer le pouvoir. Il se sert d'Arthas pour pouvoir dominer Anduin. Ce qui expliquerait aussi tous les parallèles, tout ça, tout ça. Alors bien sûr, Anduin a toujours été mis en. Enfin, pas toujours, mais il a souvent été mis en parallèle Arthas parce que bah, c'est tous les deux princes blonds, deux royaumes, etc. etc. Mais il y a énormément d'écho Arthas. Et en fait, est-ce que Blizzard ce serait mastermind s'ils font ça hein? C'est qu'une théorie, je préfère le dire, c'est vraiment une théorie. Mais est-ce que ce serait pas genre super malin d'avoir 1000 cristals et d'avoir un. En fait, Arthas est là depuis. La 9.0, en fait, Arthas est avec nous, sous nos yeux, mais on le voit pas, en fait. Mais on l'a toujours pas vu. Et du coup, Arthas, avec Eva, on n'était pas tout à fait d'accord. Eva pensait que c'était dans cette cinématique qu'on allait voir Arthas, personnellement, sachant qu'on a deux nouvelles, un petit peu de révélation avec les cristaux, etc. Il y a de. Pour moi, Arthas reviendra dans la 9.2, justement. Arthas reviendra à 9.2 et nous aidera potentiellement aussi à battre le geôlier et aura un petit peu son arc façon Illidan en mode. Désolé, enfin, sans dire qu'Hotelka c'était de la merde, mais dire on aurait peut-être pu faire mieux et peut-être un peu plus honorer War 3 que ce qu'on a pu faire au début de WoW, quoi. Donc là-dessus, moi c'est mon call. À côté de ça, mais en tout cas, ces cristaux ont clairement un rôle à jouer. On vient de le revoir encore avec l'âme de Sylvanas et étonnamment, l'âme d'Arthas, on sait pas où elle est pour le moment. Et l'autre truc, donc on a la petite boussole. Vous savez que Varian avait donné à Anduin à Légion et qu'on voyait en cinématique, etc. Qui est quand même une transmission père-fils, qui est un objet extrêmement important pour Anduin. Et Anduin fait tomber ce truc au sol. Alors, est-ce que c'est volontaire ou pas? Est-ce que c'est potentiellement volontaire hein? Peut-être qu'il ne faut pas y voir autre chose. Enfin, pardon, peut-être que c'est involontaire. Il ne faut peut-être pas y voir plein de trucs. Mais effectivement, et ça, c'est des viewers qui me l'ont rapporté, c'est plutôt pas bête le fait que, en fait, une partie de lui essaye de résister, fasse tomber. C'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres univers. Une partie de lui, sous mind control, essaye de laisser un petit indice pour aider les gens à le retrouver en fait, mais qu'il reste enfin il reste totalement contrôlé par le geôlier. Donc effectivement, moi j'aime bien cette théorie et pas de moi, et pour le coup je trouvais que la théorie des viewers était plutôt pas bête, donc j'en parle. Mais cette cinématique globalement, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien je pense qu'elle est très très bonne. Il y a un point, on va dire, sur lequel ça peut ne pas être Enfin, je trouve honnêtement que c'est assez cohérent. On pouvait, enfin, honnêtement, cette cinématique, ça fait plusieurs années que je la voyais pas forcément non plus comme ça parfaitement, mais pour le coup, je trouve qu'elle respecte totalement le personnage de Sylvanas. Elle respecte beaucoup de choses du passé. Il y a peut-être un petit peu de, parce que bon, c'est clair que Sylvanas, elle servait le geôlier, la fin n'était pas présentée, d'accord. Il y a potentiellement un petit truc, mais globalement, Sylvanas, elle a toujours servi sa gueule, et elle a servi sa gueule encore une fois. Elle faisait ça pour son âme lui a été donnée. Là-dessus, c'est un respect du personnage, et on s'attendait évidemment à ce que Sylvanas voit une fin. Enfin, peut-être que certains ne l'attendaient pas, mais je veux dire, si vous regardez mes vidéos, c'est pas nouveau que c'est tease comme ça, et encore une fois, Sylvanas, pour le coup, ça respecte pas mal le personnage. On verra comment ça va se passer. Il y a de grandes chances du coup qu'elle n'est pas vivante, elle est toujours mort-vivante, mais qu'avec le retour de son âme, on ait une Sylvanas. Pas non plus retour en forme humaine, War 3, tout ça, en mode. Bon, après c'était déjà une connasse, même en haut elfe, mais genre qu'on ait un petit peu. Qu'elle arrive. On ait une Sylvanas un peu plus dépressive et autre, parce que avant il lui manquait cette partie d'âme, donc ce qui l'a caractérisé, c'était la colère et le côté je vais faire payer le monde, quoi. Là, qu'on ait une Sylvanas un peu plus empathique. Parce qu'elle a récupéré ce qui lui manquait, c'est-à-dire son âme. Donc ça reste une mort-vivante, ça reste quand même pas rigolo, mais on va dire qu'on lui a mis la blessure, on l'a stabilisée, quoi. Donc il y a des chances qu'on ait une facette de Sylvanas un peu plus empathique, ce qui pourra faire crier plein de gens, mais honnêtement, ça me semble pas, ça me semble assez logique, même s'il faudrait un juste milieu entre la Sylvanas qui veut tout cramer. Et la Sylvanas qui défend sa famille, sa patrie, tout ça, plus un mix entre les deux. Et Blizzard là-dessus marche avec des œufs. Et j'aurais dû commencer là-dessus dans la vidéo. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le traitement de. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la vision des scénaristes. Moi-même, hein, par exemple, Burning Crusade ou Hotelka, j'ai trouvé que c'était.
immonde. Et pour le coup, bah, je vous ai montré dans les vidéos pourquoi je trouvais que c'était dégueulasse. Mais en dehors de ça, j'ai quand même essayé d'être le plus factuel possible. Là, c'est souvent de l'interprétation et de la vision qu'on a de Sylvanas. Et certains, je le rappelle, j'ai fait une vidéo de débunkage sur Sylvanas. Beaucoup oublient qui est le personnage de Sylvanas et ce qu'a fait Sylvanas par le passé. C'est un personnage qui est assez complexe quand même, et qui a fait des choses terribles, mais qui a toujours eu aussi une volonté, on va dire, la fin justifie, la fin positive justifie des moyens négatifs, on va dire. Ça a toujours été le cœur de Sylvanas. Parce que même quand elle voulait traquer Arthas, c'était pour se venger, mais c'est aussi en mode il a détruit tout, hein, il a tout détruit, donc on enlève une menace, quoi. C'est aussi un peu ça l'idée. Donc, elle a toujours été comme ça, et vous pouvez ne pas apprécier cette vision-là. Moi, je pense que j'ai quand même pas mal parlé de Sylvanas, et bah, là-dessus, je pense avoir suffisamment. Enfin, voilà, j'ai déjà des vidéos, ça sert à rien de faire de la répétition. Mais que vous soyez plutôt content du traitement, que vous soyez pas content du traitement, c'est pas une raison pour aller menacer de mort les scénaristes. Ça, faut vraiment avoir des putains de problèmes neurologiques. C'est, enfin, là, ce que prennent les scénaristes dans la gueule sur les réseaux sociaux, c'est un scandale, hein. C'est une honte, c'est une honte. Et j'ose espérer que vous soyez, que vous ne faites pas ça. Enfin, j'ose espérer que vous réfléchissez un petit peu avec les vidéos et autres. J'espère que vous prenez du recul, de l'esprit critique, mais que vous réfléchissez. C'est un peu l'objectif de cette chaîne, j'ai envie de dire. Donc ça me fait mal, et j'aurais dû en parler peut-être même au début de la vidéo, mais parce que des fois on oublie l'élémentaire, hein, la base. Donc voilà, moi personnellement, je trouve que le traitement de Sylvanas, bah, il était attendu, on s'y attendait. Enfin, c'est pas un truc en mode waouh, ça sort de nulle part, quoi. Si vous suivez mes vidéos, c'est quelque chose qui pour moi est logique et dans la continuité de ce qui a été fait par le passé. Donc bah, y a pas besoin de, bien sûr, certaines formes, on va dire que le fond est bon. Peut-être qu'on peut critiquer une partie de la forme. Moi, je trouve quand même que la forme reste ok, mais il y a peut-être un petit point ou deux où on aurait pu se dire là, ça aurait pu être un peu mieux comme ça. Mais globalement, bah, Sylvanas, je trouve que le personnage a été respecté et bien traité à ce niveau-là. On verra, on n'a pas encore tout, puisqu'on va voir ce qui va se passer après, avec bah, du coup la 9.2 et peut-être la 9.3. Voir un petit peu comment les autres personnages vont réagir à l'égard de Sylvanas, comment Sylvanas va réagir aussi elle-même. Mais bah, ce qui est sûr, c'est qu'elle va servir contre le geôlier. Alors, est-ce qu'elle va servir directement, potentiellement en sacrifiant et tout, pour vaincre le geôlier, peut-être pour canaliser un petit peu l'image d'un Illidan avec Sargeras? Est-ce qu'elle va être, elle va donner ses informations et on va la tuer derrière? Bah, dans tous les cas, même si elle meurt comme ça, bah, elle aura servi, quoi. Donc là-dessus, j'avais raison. Mais enfin, c'était attendu, je dirais, d'un point de vue. Au final, Sylvanas, c'est l'un des personnages qui est resté le plus cohérent depuis très longtemps. C'est un personnage qui est quand même là depuis très longtemps dans la franchise. Et contrairement à d'autres, genre Thrall, qui, en fonction de l'écriture et du besoin du scénario, a bougé, elle, pour le coup, elle a gardé, on va dire, une ligne directrice tout en ayant des enjeux qui puissent différer un petit peu. Donc, à ce niveau-là, je trouve le personnage réussi. Et voilà. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, bien sûr. Moi, je suis très content de cette 9.1. J'ai pas tout parlé de la 9.1, mais il y a de très belles choses qui arrivent également avec la 9.1, notamment sur les Natrezim, sur l'épouvante, UTR et autres. Bon, j'ai pas mal parlé, mais c'est aussi à ça que sert de jouer au jeu, c'est que vous allez vraiment voir tout et ça va être super. Honnêtement, la 9.1 en termes d'histoire, c'est assez impressionnant. De très 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 bonnes choses et du très très lourd aussi. Donc j'aime beaucoup personnellement, n'hésitez pas à donner vos impressions, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je compte analyser aussi la petite cinématique de Garrosh, elle sera beaucoup plus courte, ne vous en faites pas, mais je compte l'analyser aussi et il y a des choses marrantes. Donc voilà, plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à suivre les autres vidéos d'ailleurs si vous ne les avez pas déjà vues, hein, Debunkage Sylvanas, Debunkage Garrosh, il faudra pour la vidéo d'analyse Garrosh. Et n'oubliez pas, avant tout, ça reste un jeu vidéo, une passion, et nous restons des êtres humains. Bon, ouais, j'ai essayé de faire un truc, mais en fait, hein, juste, voilà. N'oubliez pas que l'éducation, c'est important, et de pas vous comporter comme des animaux. Voilà, bisous. Réseaux sociaux, tout ça, follow, like, cloche. Ouais, il fait noir, hein, on est dans l'antre. Mais avec une musique un peu mieux, quand même. Allez, bisous.